wonder what the real Simon would have thought if he knew about me. What do you mean? You do know about yourself. No, I mean the real Simon. The human Simon. Going by your reactions, I'd say he'd be pretty upset. Alors attendez, il y avait des trucs à faire par là. Alors de ces monstres, de ce que je sais, il y en a trois. Il y en a un qui est là au bout. Il y en a un autre qui était au fond. Où est-ce qu'il y avait des ordinateurs à rebrancher? Il n'y en avait pas ici? Je sais plus s'il y en avait. C'est pas grave, on refait un tour au pire, c'est pas... On dirait qu'il y avait rien d'autre. Bon par contre, effectivement, il y avait un truc là. Hein. Et on a Peter Strasky, on a... J'arrive pas à lire là-bas. J'ai hâte de pas y aller. Alors c'était là-dedans. Imogen Reed, Guy Conrad. Lot 9. Neurographe de Nakajima compressé. Catherine Chun, Imogen Reed. 4 mai 2072, écho américaine. Environnement, réservoir flottant. Réservoir en acier rempli d'eau, limiteur sensoriel, avec siège de pilosage, expérience plus concluante, nécessaire pour l'arc. Plage, agréable, test en extérieur, appliqué à l'arc. Versailles, agréable, test en intérieur, excellent. Données reconstruites par le haut, ne pas utiliser. D'accord, il va falloir copier des trucs. Ok. Où est-ce que je peux l'embrancher? Ici. Hop! Oula! Chalet de ski. Mais je vais pas. Alors ils disent ne pas utiliser. La plage, on l'a déjà. Et Versailles, ne pas utiliser. Je pense qu'on peut améliorer l'arc avec ça. C'est bizarre. We should really look for a scan. Check the storage. Deux secondes, je vais regarder là-dessus avant. Journal des scans arc. Chun Catherine, 4 juillet. Nikolai, 5. Walchek, Heather, 10 juillet. Sarang, Marc. 2 juillet, suicide. Le projet Arc est en suspens car Stromeyer enquête sur la mort de Sarang. Emma, Imogen, Louise, suicide. Peter Strasky, Nathan Gros,
pas tant de... Ah si, quand même, il y a pas mal de suicides. Hein. Strohmeyer m'est tombé dessus, une mort de plus et le projet s'arrête. Ah ouais, Guy Conrad qui s'était suicidé. Projet suspendu jusqu'à nouvel ordre. Putain. En même temps, les gars sont un peu cons aussi de se suicider, putain. Merde. Ah d'accord. Bon. Faut qu'on récupère les données du scan. Pas une qui tourne là? Si! Non mais. An intact memory chip. If we're lucky, we might be able to extract the cipher from it. Ce qui serait cool d'ailleurs. Pouvoir peiner... Ah, d'accord, je comprends maintenant. Alors ça, Inwall. A dit qu'elle aiderait à livrer l'arc. S'est-il tué à cause de la continuité? Strohmeyer est complètement fou, il a renforcé la sécurité. Projet arc suspendu. Travaille actuellement pour Strohmeyer. Encore un suicide à cause de la continuité. Nous ressemblons tellement dans une autre vie, je pense qu'on aurait été les meilleurs amis du monde. Elle m'a aidé à arrêter la fuite d'ondes du casque, cela devrait au moins atténuer les migraines du post-scan. C'est vrai qu'il y avait une histoire de migraines, suite à l'utilisation d'appareils. Straski était enjoué et amusant comme toujours. Alice a dit qu'elle participerait à la construction de l'arc, mais pas à son transport jusqu'à Phi. No, won't work. We need someone from Theta Security Group. Donc travaille pour Strohmeyer, ok, oui. Et ouais, bah c'est lui quoi. Very promising. I'll just load him up and get the simulator going. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the genre. Ah ouais, puis il y a tous les tous les trucs excellents, les environnements. On va se mettre à la plage ou au chalet de ski. Ouais, chalet de... ouais. Non, plage, c'est mieux. Enjoy the scenery for a moment. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real! This isn't real! I have to get out of here!
merde. Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Voici la salle de scan. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? Where did it... Alice? Mr. Wan, can you hear me? Chun? Where's Alice? She had to leave. Listen, I really need to know the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is a trick. Please, this is important. I knew you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, WoW. You hear me? You won't break me! Ok, raté. Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up. Comment ça va se passer maintenant? What? What is this? Where am I? Relax, Mr. Wan. Just keep calm. Dr. Chun? What the hell is this place? I don't have time to explain. I need you to give me the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? Okay, ta gueule. Simon, you just reset the simulation. Bah ouais, mais de toute façon, ça, tu crois vraiment que ça allait marcher? That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Take it easy, Mr. Wan. Chun? What happened? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, that's a lie. Mick! You're lying. Don't get upset, Mr. Wan. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Bon, allez, hop, Simon, c'est bon. What the hell? Oui, why non, mais... do this? Ça marche pas, là. Module, c'est quoi, ça? Des trucs que je peux transférer encore? Bon. Il y a clairement un truc qui va pas. On va prendre ça. Et on va transférer d'autres trucs. Y'a pas des trucs que je pouvais prendre... I wish I knew Brandon better. What would make him talk? Here we go, Brandon Wan's room. I'll just override the lock for you. Ah, je me doutais bien qu'il y avait un truc comme ça à faire. Maybe we can make the simulation a little smoother. Ouais, avant ça. Brandon, you ready to go? Stromar says it's time to move. I'm waiting for Stratsky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. Seems like they were getting ready to leave. Heard some lady telling Brandon to hurry up. So you got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. That's Alice Koster. Wouldn't have guessed they even knew of each other. Interesting. Je me doutais bien qu'il faudrait faire un truc avec Alice. Oh, il aime bien Canyon. Château. Est-ce qu'on peut pas se servir de ça? Pour améliorer la simulation. Il aime bien voyager, on dirait. Fairchild Award for Achievements of the Engineering Youth. Brandon Wan. Brandon, je me sens complètement chamboulé par le scan. Tout le monde est si courageux. Rien que des sourires, pas le moindre regret. Tu te souviens de m'avoir proposé de me tenir la main pendant le scanner? Si ton offre tient toujours, je l'accepte volontiers.
Si nous le faisons ensemble, nous partagerons aussi les maux de tête. Ils disent qu'il faut quelques jours pour s'en remettre. Bisous, Alice. Hmm, intéressant. There's a note from Alice that makes me think she was scanned alongside Brandon. Okay, that sounds really promising. We can definitely use that. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick him into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could date a mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. Le 14 août 2103, Akers a enfin accepté l'évacuation de Delta. Goya Krier et moi sommes arrivés à Theta aujourd'hui. Akers a préféré rester à Delta. Il est complètement fou, je suis fier de mon travail, mais le site n'est plus que l'ombre de lui-même, depuis que la surface a cessé de nous ravitailler. 25 août. That's okay, Sherlock, we got it already. We should focus on simulating Brandon wants. J'ai fait mon scan ARC avec Alice. Strommeyer m'avait dit que les maux de tête me tueraient. Quel enfoiré. Au début ça allait, mais une épouvantable migraine est apparue quelques heures plus tard. Le pire ça a été cette fille, Chun. Elle me met tellement mal à l'aise qu'elle me donne la chair de poule. 7 octobre. Strommeyer a perdu les pédales. Il a ordonné l'arrêt de tous les scans destinés au projet ARC. Apparemment Conrad s'est laissé séduire par l'idée de continuité et s'est suicidé sur le siège de pilotage juste après le scan. J'ai comme l'impression que les codes de sécurité vont changer. 15 janvier, je viens d'apprendre que l'équipe d'inspection Komorebi va aller chercher Akers à Delta. Ça fait des mois qu'il est tout seul là-bas, je me demande ce qu'il faisait de ses journées. Bon. On a des réponses à comment obtenir des réponses. C'est pas mal ça. Depuis quand c'est ouvert, ça? C'était pas ouvert, ça, avant. I compiled an Alice module that we can use. So she'll be with Brandon in the simulation. Sort of. I'll still need to do the talking, but it'll sound and look like Alice. Module Alice. Salle de scan. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromar. He's sending you to the news site for ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait. Didn't Chum just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I do feel hungover. Okay. Merde. 17:29 over 42. 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. DeLong. Brandon. Goodbye. No, wait! That's enough. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Est-ce qu'elle a une chance d'aller sur l'arc ou pas? J'aurais peut-être dû l'effacer. Enfin, remarque, s'il n'est pas branché avec quoi que ce soit, peut-être que ça va faire comme moi, qui va rester piégé, inconscient quelque part pendant des dizaines d'années. Donc auquel cas, il va pas souffrir. Pourquoi on avait besoin de ces codes, là? Je sais plus pourquoi.
Ah si, oui, je me souviens maintenant.